Alléluia, Adonai, Gol Golim, Shaveruch, Aumim. Ces temps de coronavirus mondialement répandu. Seigneur, que nous puissions chanter, s'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Tu dis aussi, Seigneur, dans un psaume écrit par notre ancêtre spirituel, le roi David, Seigneur, si 1000 tombent à tes côtés, et si 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas, Seigneur. Ta parole parle aussi des temps de la fin, qui sont les signes de peste, Seigneur, et nous vivons une peste actuellement avec bien d'autres choses. Et Seigneur, c'est le sujet de ce que tu m'as mis à cœur de partager après cette louange. Mais nous voulons d'abord te louer, t'adorer toi, mon Dieu, te bénir et te louer. Parce que Seigneur, tu es vraiment celui qui nous justifie, Père, à tous égards. Merci de ce que tu nous gardes tous, que tu gardes vraiment tes enfants. Et Seigneur, tu les gardes non pas de ce coronavirus, mais Seigneur, de tout ce qui empêche ce coronavirus nous atteindre, parce qu'il s'agit, oui Seigneur, de quelque chose qui relève aussi du jugement de Dieu. Et Seigneur, nous t'en remercions. Et Père, nous nous présentons devant toi en te disant, Seigneur, que ce qui n'est pas propre dans la vie, ce qui n'est pas propre sur nos mains, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas courageux, ce qui n'est pas, comment dire, ce qui n'est pas à ton image dans nos vies, Seigneur, eh bien, montre-le-nous encore afin que nous soyons dignes devant toi, Père, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Merci, Père. Gloire à toi, Yeshua. Gloire à toi, Jésus. Amen. Il est un homme dans la gloire. C'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues. Il peut maîtriser les vents. Alléluia. Il est assis sur la gloire. Et je sais qu'il
merci, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Ce que vous me voyez faire à travers ce fléau, qui est une peste, que mon fils vous a annoncé, dit le Seigneur, Yeshua vous a annoncé, qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre, et bien des choses, bien des troubles, et qu'il y aurait des pestes, des tremblements de terre, tout cela, nous l'avons sous les yeux de manière
croissante aujourd'hui. Ce que vous me voyez faire, dit le Seigneur, et qui sont mes jugements. Sachez que je parcours toute mon Église aujourd'hui et je regarde. Et je veux vous dire à vous qui êtes rassemblés ici, aujourd'hui en ce Saint-Shabbat, je dois vous dire ceci. J'aimerais me manifester bien plus parmi vous. Mais je restreins mes visitations parce que je connais ceux parmi vous qui ne me cherchent pas vraiment de tout leur cœur. Et à cause de cela, je restreins mes visitations pour l'Église. Car lorsque un membre souffre, tout le corps souffre. Lorsqu'un membre est défaillant, tout le corps est affecté. Aussi, le Seigneur me demande de vous dire, frères et sœurs, si les visitations de Dieu ont tendance à plafonner, c'est de nos fautes. Et c'est de la faute ne serait-ce que d'une seule personne qui ne chercherait pas Dieu de tout son cœur, qui ferait semblant, mais qui ne cherche pas vraiment de tout son cœur. Et le Seigneur ne supporte plus cette tiédeur de l'Église de Laodicée, qui se dit qu'elle est riche, mais qui ne sait pas être nue et pauvre. Alors le Seigneur exhorte le moindre d'entre nous à se questionner. Est-ce que tu me cherches de tout ton cœur? Non, tu ne me cherches pas de tout ton cœur et tu le sais bien. Alors le Seigneur te laisse du temps dans l'assemblée et l'assemblée souffre à cause de toi. Car je ne peux pas répandre mon esprit comme je le voudrais, comme je l'ai répandu jadis. À cause de toi, je te laisse encore du temps. Je te laisse encore du temps pour te repentir. Je te laisse du temps. Amen. Amen. On va aller dans la parole de Dieu ensemble, d'accord? Si quelqu'un a reçu une pensée du Seigneur, qu'il puisse l'exprimer, reçu un psaume ou un témoignage à communiquer, qu'il puisse se lever, puisse le dire. Apparemment, il n'y a pas. Nous allons parler de ce qui est en train de se passer en Israël. Et ce qui vient de se passer dans une église que nous connaissons tous, dans laquelle j'ai prêché il y a pas mal d'années, dont j'ai connu le fondateur pour être un homme de cœur, d'abord et avant tout, un homme au cœur d'enfant. Vous savez, quand Yeshua nous dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne verrez pas le royaume de Dieu, vous ne saurez pas ce que c'est. Si vous saviez à quel point notre nature d'homme, et je parle ici des chrétiens, déteste fonctionner avec un cœur d'enfant. Cet homme qui a établi l'assemblée de Mulhouse, j'ai assisté quasiment à ses débuts, quand il venait dans une pastorale Champagne-Ardenne, où il tenait ses réunions à l'époque dans peut-être une grange ou une maison. Et les gens étaient guéris, et les gens se convertissaient. Et tout le monde a vu cela. Tout le monde a vu cela. Et ça a grandi. Cet homme, je l'ai vu un jour dans une réunion de pasteurs, se lever, il y avait 200, 250 pasteurs. Et avec une grande simplicité de cœur, il a posé une question que beaucoup auraient pu poser, que moi-même j'aurais pu poser. Bien que j'ai une idée sur comment répondre à cette question, mais lui, il s'est levé et il a dit, il a demandé à une des personnes qui étaient sur l'estrade, on a échangé, est-ce que tu peux, frère, m'expliquer ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit? Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont éclaté de rire. J'ai eu honte ce jour-là. Parce que je savais que parmi tous ceux qui éclataient de rire, ils ont éclaté de rire de voir un homme avec un cœur d'enfant exprimé, je ne sais pas. Mais ils savent tout, bien sûr. Ils ne savaient pas non plus
vraiment ce qu'était le péché contre le Saint-Esprit. Et c'est une question qui courait dans l'esprit de beaucoup de serviteurs. Mais cet homme-là, Jean-Peter Schmitt, lui, il n'a pas voulu faire semblant qu'il connaissait tout. Mes amis, les relations, je vais vous dire une chose terrible. Les relations dans ces rencontres, une chose terrible. Je vais me faire très mal voir, mais ça ne fait rien. 90-15% des relations dans ces rencontres, le pasteur était sur le... Je veux... C'était pas dit comme ça, mais c'était sous-jacent dans les rapports. Qui est fameux ici? Qui est le plus fameux? Vous savez, j'ai voulu renverser cette terrible tendance un jour en disant, mais c'est pas possible ces rencontres d'hommes orgueilleux. Et j'ai organisé, dans ce qu'on appelait le refuge à l'époque en France, quelque chose. J'ai invité des hommes de Dieu à se réunir. Nous allons inverser la dynamique. Nous n'allons pas nous voir pour parler de nos ministères. Mais nous allons essayer d'avoir de l'amour. Alors j'ai prié, je disais, comment on va faire? On va être ensemble, on fait comment? Je disais, mais c'est pas difficile. Je vous enverrai des jeunes ministères ou des gens qui ont beaucoup souffert et je vais vous les envoyer. Et au lieu de les regarder en disant, oui, ça, c'est un inconnu, celui-là, c'est pas trop, vous allez leur demander de vider leur sac, de dire ce qui les fait souffrir. Et Dieu l'a fait. Dieu a amené des gens qui pouvaient exprimer leurs souffrances, leurs besoins, leurs difficultés, même les serviteurs. Et après, l'Esprit de Dieu saisissait les deux prophètes qui se trouvaient là avec moi, et nous recevions des paroles de consolation, d'encouragement, d'exhortation, de conseil. Quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez le conseiller. Quand vous ne l'aimez pas, ça ne sert à rien de le conseiller. J'ai rencontré tant d'hommes de Dieu qui ne manifestait pas de l'amour. Attention, je dis amour, c'est pas sentimentalité, comprenons bien. C'est-à-dire de l'intérêt pour les gens qu'ils rencontrent. C'est tellement important. Mais Jean-Peter Schmitt était ce genre d'homme qui a vécu comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Mulhouse? Alors, le coronavirus, bien sûr, et je le crois aussi, c'est sans doute une grosse saleté qui a été fabriquée artificiellement dans un quelconque laboratoire. Je crois, je n'en ai pas la preuve, mais je le crois très, très, très possible. Vous savez, quand les fléaux sont passés sur l'Égypte, c'était des bons fléaux venus de Dieu. C'était les choses de l'ennemi que Dieu a permises. Ah, ça commence à éveiller un peu de réflexion dans notre esprit. Non, je crois que ce coronavirus est une saleté sortie de l'enfer, sortie d'esprits pervers et mauvais, j'en suis persuadé. La théorie qui veut que derrière tout ça, il y a les familles riches de cette terre qui veulent éliminer une bonne partie. Ça, je le crois. C'est pas nouveau. Mais je vous pose la question, pourquoi est-ce que Dieu laisse faire? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu utilise les choses mauvaises de Satan pour aussi permettre ses jugements, pour amener notre attention. Est-ce que vous me suivez ou vous ne suivez pas? Ah, c'est choquant, hein? Ah ben, c'est comme ça. Vous savez, nous sommes entrés dans les temps d'Apocalypse. L'Australie n'existe quasiment plus. L'Australie a brûlé. Les plus belles parties de l'Australie, c'était un paradis, l'Australie, n'existent plus. Vous savez ce qui s'est passé après que des millions d'hectares, je ne sais pas. C'est les trois quarts d'Australie qui ont brûlé, là. Vous vous rendez compte? C'est un continent, un sous-continent qui disparaît sous nos yeux. Et que c'est avec une faune qui remonte et une flore qui remonte à la préhistoire. C'était superbe, c'était un paradis de moi qui suis sensible aux belles choses. J'ai vu ça quand j'étais aux Australiens, j'ai dit, mais c'est inouï. C'est unique au monde, l'Australie, il n'y a pas un arbre comme en Europe ou en Afrique ou ailleurs. C'est quelque chose de spécial. C'est
C'est un cadeau que Dieu avait fait à l'humanité. Disparu, il n'y a plus rien. Des millions d'animaux ont été grillés dans ces incendies. Et ce n'est pas tout. Deuxième vague de choses horribles. Dans la poussière, qui était, parce qu'il a beaucoup plu aussi, juste après, je pense, de ces incendies, est apparu un milieu favorable pour l'éclosion de millions, voire de milliards d'araignées noires venimeuses. Et l'Australie est envahie maintenant par des... Ok. Et maintenant, on annonce un nuage de sauterelles qui vont dévorer tout ce qui reste. On l'annonce pour le sud d'Israël aussi. Ça vous rappelle rien, vous, ces choses-là? Ça me pensait au fléau d'Égypte. Quel était le conflit entre Pharaon et Israël? Ben, c'était un conflit entre Dieu, qui voulait son peuple, et un homme qui voulait ce peuple pour lui. Nous pouvons très bien aujourd'hui avoir des églises, avoir des bénédictions et les utiliser pour nous et plus pour Dieu. Voilà où se trouve le problème. J'ai nommé le cœur du problème. Le cœur du problème. Pourquoi je fais un parallèle entre Israël et Mulhouse et peut-être pas mal d'autres endroits bientôt, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas s'il y aura d'autres endroits, mais en tout cas, Mulhouse, c'est Dieu nous a parlé, Dieu a parlé là. Et attention, j'ai beaucoup dans mon cœur de compassion pour Samuel Peterschmidt. Je vous le dis franchement. Car cet homme, je l'ai vu être capable de demander pardon. Il est le seul homme qui m'ait jamais écrit un jour après avoir été injuste avec moi, emporté. Il m'a écrit une semaine après. Je lui demande pardon. Je n'aurais pas dû agir comme ça. Je me suis trompé et j'ai dit emporté. Je lui demande pardon. C'est la première fois. Donc j'ai du respect pour Samuel. De l'estime. Mais, Samuel doit réfléchir. Et si Samuel doit réfléchir, croyez-moi, tout le monde doit réfléchir. Tout le monde doit réfléchir. J'ai intitulé ce message « Être ou ne pas être ?» Voilà la question. D'après William Shakespeare, eh bien, je dis non, c'est être et aimer, voilà la solution. Je dirais même aimer plus qu'être, voilà la solution. Ok, le coronavirus en Israël, c'est exactement, c'est la même chose que ce qui se passe à Mulhouse. Je m'explique. Voilà trois fois que nous allons aux élections. Pas de gouvernement. Et cette fois, c'est encore bloqué. Donc nous allons à peu près certainement, malgré les tentatives malsaines de ce qui se goupille aujourd'hui entre bleu et blanc qui veut s'allier aux Arabes, et puis à Lieberman qui, bien sûr, ne veut pas voter pour le bien du pays, mais vote de façon à ce que, de toute façon, celui qu'il est. Vous entendez qu'il est. Il est Netanyahou. Donc, voilà. Tout est dirigé par la haine, par les ambitions humaines, par... Qu'est-ce qui est encore de Dieu dans tout ça? S'il n'y a jamais eu quelque chose de Dieu dans tout ça. Donc, on va certainement aller aux quatrièmes élections. Ou alors, on va avoir un gouvernement qui va précipiter le pays dans un chaos épouvantable, dangereux. Et Dieu laisse faire tout ça. Et voilà qu'en plus... Le coronavirus arrive en Israël et le pays est paralysé. Plus personne n'entre, plus personne ne sort, sauf les citoyens israéliens qui reviennent et qui sont mis en quarantaine. L'État d'Israël recommande même que les gens ne bougent même plus, que tout le monde reste dans ses maisons. Ça veut dire qu'on ne fait plus rien, on ne va plus travailler, je ne sais pas. Voilà un pays entier qui est en train d'être mis, je ne sais pas, en paralysie totale. Et hier, je regardais une photo prise par un quotidien français sur la salle de réunion de Mulhouse. C'est une grande salle de réunion pour, je ne sais pas combien de personnes, des milliers. Vide. Des chaises vides. Il n'y a plus rien. Silence. Et vous voyez le parallèle avec Israël. Dieu tient un discours à Israël de la même façon. Vous ne
vous vous êtes pas retrouvé dans ce pays pour moi, mais pour autre chose, pour beaucoup d'autres choses. Il serait en train de dire stop. Il a dit stop à l'église en France à travers Mulhouse, et il dit stop à Israël. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Et qu'il faut réfléchir, qu'il faut se poser des questions, qu'il ne faut pas commencer à délirer, comme j'ai vu directement la part de certaines personnes qui se sont érigées prophètes, alors elles ne sont pas, c'est une femme, qui ne sont pas prophètes du tout, mais qui fabriquent des choses, qui sont en fait des enfonçages de portes ouvertes, histoire de dire que Dieu m'a dit que. Moi, la première chose que j'ai éprouvée lorsque j'ai appris ça, c'est on m'a dit tais-toi et prie. Et je vais prier pour Samuel. Et je vais prier pour papa. Le papa qui a 90 ans maintenant. Ce qui doit souffrir aujourd'hui est terrible. Voilà un homme qui souffre. Voilà un homme qu'il faut aimer. Et maintenant, priez pour lui. Priez pour lui. Priez aussi pour son fils afin qu'il comprenne ce qu'il. Là où il a dérapé, parce qu'il a dérapé. Ok. Alors, point 3 de mon message. Voilà. Je vous l'ai dit, l'auteur de celui qui est au départ de cette œuvre était un cœur d'enfant, un cœur bon. Et c'est tout. Un cœur bon et c'est tout. Pas d'ambition, je dis. Pas une once d'ambition. C'est rare, un homme sans ambition. J'ai tellement envie que ça aille bien dans nos églises. Vous vous rappelez le message? Ah non, vous avez écouté le message que j'ai donné pendant la semaine, où à deux reprises, Jésus dit à ses disciples, enfin, lorsqu'ils reviennent d'avoir été chassés des démons, etc., qu'est-ce que Jésus leur dit? Moi, ça m'a frappé. Bon, ça va, arrêtez, reposez-vous. Vous êtes fatigués, les petits, hein? Ils ne sont pas fatigués. Pourquoi est-ce que Jésus leur dit d'arrêter? Et puis, un peu de temps après, il y a une tempête, ils sont dans la barque tout seuls, Jésus traverse à pied, sur l'eau, bien sûr, et il les dépasse. Au lieu d'arrêter la tempête, il veut les dépasser. C'est quoi le message? Eh les petits, vous ne serez jamais, vous ne commencerez même jamais à être plus grand que moi. Et moi, l'essentiel de ma vie, c'était de mourir pour vous. Okay, vous avez compris le message, mourir pour les autres. Avec un cœur d'enfant. Alors là, vous ferez ce qui me plaît. Tout le reste, et après, on voit dans l'évangile de Marc, ils continuent, ils sont têtus, hein, ils discutent entre eux. Il y a un passage où Jésus leur dit, qu'est-ce que vous discutiez derrière mon dos, là? Eh bien, nous étions en train de discuter pour savoir qui serait, aurait la plus grande place. C'est terrible, c'est tellement fort dans le cœur des hommes. Ils ne pensent qu'à ça, mais vous savez, on l'a dit, on l'a prêché 10 milliards de fois, mais ça ne change rien. Ça n'interpelle pas. Qui est le père de ce mensonge, si ce n'est Satan lui-même, qui a voulu être quelqu'un au lieu de rester simplement ce qu'il était, qui était déjà formidable en soi. Il y a une sœur qui m'a écrit, ça m'a étonné. Mais est-ce que tu peux me dire quelle est ma place? Mais la place, c'est celle que tu as maintenant. Ça veut dire que la place que Dieu t'a donnée, ça compte pas. Tu as au fond de toi-même une ambition, un désir de faire, d'être, c'est ça, d'être reconnu, d'être quoi, élevé, c'est ça, tu veux une estrade à l'intérieur de ton cœur, c'est ça que tu cherches. T'as rien compris. T'as rien compris. T'as encore rien compris. Ok. Ça va, vous suivez? Quelle est la clé de tout ça? On va lire Marc 10. 32 à 45, lisez avec moi s'il vous plaît, Marc 10, 32 à 45. Marc 10, 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, mais Yeshua allait devant eux. Les disciples étaient troublés, le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à dire ce qui devait lui arriver. Je vais vérifier si c'est bien ça que je devais vous lire, afin de ne pas m'égarer. Oui, d'accord, lisons ensemble.
Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Vous voyez, Jésus énonce carrément les choses mauvaises, mais que Dieu va utiliser pour nous sauver. Il va employer la vilenie, l'orgueil, l'ambition des hommes qui vont faire le mal, qui vont utiliser un de ses apôtres, il s'appelle Judas. Tout ça, ça vient du diable, n'est-ce pas? Ça vient pas du diable. Et Jésus va laisser faire, et le Père va laisser faire, parce que ça va être utilisé par Dieu pour sauver toute l'humanité, potentiellement, pour l'humanité qui le souhaite. Donc vous voyez que Dieu laisse agir le diable, mais il utilise ça. Vous savez quelle était la parole que le grand prêtre a dit lors du jugement de Yeshua? Il a dit cette phrase terrible. Dans son esprit, c'était pour protéger le peuple d'Israël qu'on allait tuer Jésus. Et il a dit, il vaut mieux qu'un homme périsse pour le salut de tout le peuple. Vous vous rendez compte de ce qui est. Donc lui, c'était, on élimine Jésus pour sauver Israël, et en réalité, en le tuant, on sauve Israël. Dieu retourne tout à son avantage. Alors ce qui se passe pour le moment, c'est les préambules d'un jugement encore plus terrible. Oui, mes amis, il est arrivé à Mulhouse, qui arrive en Israël, la paralysie qui s'installe. C'est un temps de silence. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a un moment où il est dit, il y a eu un silence d'une demi-heure dans le ciel. Ce n'est pas une demi-heure chrono suisse, hein. C'est un silence de Dieu. Et moi, je l'entends, ce silence, à travers quelque chose qui me travaille le cœur, 24 heures sur 24. Est-ce que tu es bien attaché à moi? Est-ce que tu es bien attaché à moi? Est-ce que tu t'attaches encore plus à moi? Est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas une petite chose qui prend encore trop de place, ne serait-ce qu'une tasse de café en trop? Ah, ça va jusque-là. Et j'entends ce silence. Mes amis, mais ça, c'est l'ouverture. Comme à l'opéra, il y a l'ouverture et puis il y a... Nous n'en sommes qu'au début. On continue à lire. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Yeshua annonce ça. Il annonce la chose la plus inouïe. Il annonce sa propre mort et sa résurrection. Et il annonce que les choses mauvaises que le diable a mis dans le cœur des hommes religieux de l'époque vont être utilisées pour le tuer, et ça va se retourner à l'avantage de toute l'humanité. Il annonce la chose la plus inouïe qui soit. Il annonce que toute sa personne sur la terre à ce moment-là, c'est, et de toute façon pour l'éternité, c'est l'amour. Je me laisse tuer par amour. Et mon Père dans les cieux va retourner tout ça à la gloire de Dieu. Il leur annonce ça. Et eux, directement après, verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, c'est pas n'importe qui, hein, la mère de Jacques et Jean était la tante de Jésus, et la sœur de... Oui, absolument. S'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voulions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur annonce, il y a là un contraste, une violence inouïe. Jésus vient leur dire qu'il va vivre la chose la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Et eux, ils vont être préoccupés par quoi? Ben, disons ensemble. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils auraient pu dire, nous avons compris le message, maître, que nous suivions tes traces, bien que nous n'en soyons pas dignes. Ça aurait été bien. N'est-ce pas? Oui. Ah ben, c'est les disciples de Yeshua eux-mêmes. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez, etc. On peut lire tout le reste. Mais est-ce que vous voyez ce qu'il y avait au fond de leur cœur, alors que Yeshua leur parle d'aimer? Il montre le chemin. Yeshua a montré le chemin. Au fond, on peut dire que tout le ministère de Yeshua, fondamentalement, enfin l'essentiel, a été manifesté à la croix.
Et ça, si j'ose dire, recette, son état d'esprit, c'était l'amour et rien d'autre. Et quand vous lisez après dans Marc et dans tous les évangiles, vous avez sans arrêt ce balancement entre Jésus qui est ému de compassion pour les foules, qui multiplie des pains, qui donne à manger, qui guérit les malades, etc. Et les religieux qui, n'est-ce pas, veulent absolument le détruire parce qu'ils sont pleins d'ambition, c'est tout, ils veulent être les chefs. Ils veulent dominer le peuple. Et les propres disciples de Jésus sont animés de cet esprit. C'est le message que vous allez entendre cet après-midi. C'est un message à tous ceux qui disent apôtres aujourd'hui. 90-95% des gens qui se disent, ben, s'ils ne le sont pas, apôtres et prophètes aujourd'hui, sont des ambitieux et rien d'autre. Mais c'est tellement devenu normal et banalisé qu'un apôtre ait son jet privé qui coûte, je ne sais pas moi, 50 millions de dollars, j'en sais rien moi, je ne sais pas ce que ça coûte. Que c'est normal. Tout est normal. Et qu'ils aient des estrades comme des... Voilà. Et qu'ils aient des églises immenses où les gens viennent. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent malignement un discours qui est le suivant. Vous avez vu comme j'ai réussi. Vous voyez comme j'ai plein d'argent. C'est Dieu qui me l'a donné. Des comptes en banque de 100, 200 millions de dollars, 50 millions de dollars, des jets privés, des costumes fabuleux à toutes les réunions, enfin, et tout ce qui s'ensuit. Et insidieusement, vous savez, quand vous avez en face de vous une foule de gens pauvres et démunis de tout, le discours insidieux, c'est pas dit ouvertement, mais c'est dit, on laisse entendre. Le faux Saint-Esprit fait entendre, mais vous pouvez devenir comme moi. Soyez d'abord mes esclaves et puis vous deviendrez comme moi, vous verrez. C'est ça. La doctrine de la prospérité, c'est ça. Donnez et Dieu va vous donner 100 fois plus. Mais si c'est Dieu qui vous dit de donner, oui, donnez. Mais si c'est un homme, ne donnez pas. Sauf s'il avait une conviction. On se comprend. Amen. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire tellement plus? Lisons maintenant au chapitre 8, verset 36. Amen. Chapitre 8, verset 36. Est-ce que vous n'êtes pas choqué par le contraste entre les paroles de Jésus et la préoccupation de ses disciples qui viennent d'entendre ça? Mais ils s'en fichent de ce que Jésus va souffrir. Et au moment où il est âgé de ses malais, ils ne prieront pas une heure avec lui. Il faudra qu'il ait souffert cette chose atroce à laquelle il aurait pu échapper, mais à laquelle il a accepté d'être soumis. Pourquoi? Par amour. Oui, Jésus, torturé sur une croix, c'est de l'amour. Parce que, une fois qu'on a vu ça, on est obligé quand même de se poser des questions sur soi. On est obligé de se rendre compte que là, il y a quelque chose qui abolit toute idée de promotion, d'ambition, de domination, qu'elle soit religieuse ou pas. Parce que, montrez-les-moi, les apôtres d'aujourd'hui qui sont prêts à être torturés pour Christ. La réponse est inscrite dans ce qu'ils sont et qu'ils montrent être, tout simplement. Ils seraient les premiers à s'enfuir, croyez-moi. Lisons ensemble, chapitre 8, verset 36. Il y a beaucoup de chagrin dans mon cœur aujourd'hui. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Est-ce que cela revient à dire que l'on peut utiliser l'Église pour gagner le monde? Vous me suivez ou vous suivez pas? Oui. Que valent alors les conversions dans ce cas-là? Eh oui. T'as combien de membres en plus dans ton assemblée ce mois? Tu comprends, on était déjà à 5000, maintenant on est à 5200. Tous les week-ends, on a 200 en plus. On gagne le monde. Mais attends, tu gagnes le monde pour Christ ou tu gagnes le monde pour faire grandir l'œuvre que tu diriges? Parce que ça te flatte
Que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, je ne dis pas, surtout pas, ni que notre frère a perdu son âme, et il devrait bénir Dieu de l'arrêter pour qu'il réfléchisse. J'espère qu'il va le faire. Mais s'il continuait comme ça, et si Dieu n'arrêtait pas, il perdrait son âme. Parce qu'on peut très bien commencer par l'esprit et finir par la chair. Et ça, ça nous promet à tous, moi comme tout le monde, à nous de réfléchir à ce que nous vivons. Amen. Que serait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme, s'il perd son authenticité, s'il perd sa... Vous savez, cette chose qui fait qu'on sait que Dieu est vraiment là dans nos vies. Ça peut se perdre tout doucement, par petit, parce qu'on veut, on veut de l'or. Vous savez, si on dirige une église et qu'on veut que ça marche, tout ça, on va perdre son âme. Est-ce que vous me comprenez? On va perdre son âme. Amen. Voilà. Alors, si nous lisons un chapitre 8, verset 36, voilà. On voit ici l'affreux opportunisme du disciple, leurs ambitions en contraste, mais absolu avec un Yeshua qui n'est qu'amour et qui le démontre. Alors lisons rapidement maintenant le verset Marc 7, verset 14 à 23. Et puis, ce message sera vite clôturé. Rassurez-vous, vous n'aimez pas les messages trop longs, vous n'avez pas tort d'ailleurs. Mais Marc 7, chapitre 14, disons ensemble, on retourne un peu en arrière. Chapitre 14, verset 14, pardon. Voilà, on va lire à partir de 14 jusqu'à 23. Allez, allons-y. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, Yeshua, donc, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Amen. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, tout ça, je le mets un peu de côté ici, mais je m'arrête sur la calomnie, l'orgueil, la folie. J'ai prêché là-dessus des milliards de fois la gestion de la calomnie. Et on ne gère pas la calomnie comme on devrait la gérer. Et entre serviteurs de Dieu, c'est la calomnie très souvent qui fait la loi et la réputation ou la destruction d'un ministère. Ça se vit au quotidien dans l'Église. J'ai su que certains... personnes disent de moi des choses atroces alors qu'elles ne m'ont jamais rencontré, que nous n'avons jamais eu une simple discussion, que nous n'avons jamais eu un problème ni un différend. Donc ce sont des personnes qui ont été pompées de la calomnie et qui l'ont accepté, et puis paf, la relâche. C'est quoi ça? C'est construire comme Jésus aurait construit. Quand les disciples de Yeshua, avec de l'orgueil, viennent dire « Maître, il y a un bonhomme là, il prêche en ton nom, il guérit les malades et tout, et tout, et tout, il n'est pas de notre bande, il n'a pas le droit, là, 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 ils n'ont pas de label, il n'a pas la carte de membre de l'équipe de Jésus. » J'ai dit « Mais laissez faire. Celui qui fait les choses en mon nom, il assemble avec moi, même s'il n'est pas de notre équipe. » Voilà un message fabuleux, extraordinaire, qui règle tous les problèmes entre chrétiens et serviteurs de Dieu. Mais dans le fond du cœur, il y a cette lutte constante. Si tu n'es pas avec moi, je te détruis. C'est ça. Et ça vient du fait, je veux être quelqu'un, je veux exister. Et on en arrive même à prêcher des choses exceptionnelles, mais motivées par l'ambition, par le désir d'être connu, d'être reconnu. Eh oui, ça peut aller jusque-là, mes amis.
plaise à Dieu, je crois pouvoir dire honnêtement, ma femme et moi, que je n'ai jamais prêché un message pour faire un buzz, comme on dit. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. J'ai trop goûté à l'amour parfait de celui qui m'a sauvé dans les jours de mon salut. Il y a 40 ans, j'ai trop goûté à cet amour-là pour rechercher, par quelque ambition que ce soit, une position d'enfant. Et j'aurais pu, à certains endroits, rentrer dans des conflits terribles pour me défendre. Je ne l'ai pas fait. J'ai arrêté à un moment donné, car j'ai compris que certaines personnes veulent que vous soyez coupable parce qu'ils veulent vous descendre. Ça existe. C'est terrible. On continue à lire après la calomnie, l'orgueil, la folie. Mes amis, c'est une folie que de travailler par ambition pour le Seigneur ou parce que l'on a un outil qui flatte notre orgueil. Ça conduit à la folie. Alors, le Seigneur veut arrêter nos folies, tout simplement. Amen. Verset 24, qu'est-ce que j'ai dit ? Lisons rapidement. Lisons ensemble, verset 24. Je n'ai pas lu verset 24 ou verset 23. Oh, pardon. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Le verset 24 à 32, pardon. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Vous voyez ? Désirant que personne ne le sache. Combien de fois Jésus a guéri des gens en disant « Va, ne dis pas partout. Je ne veux pas être fameux. Je ne veux pas que tout le monde me fasse. » Est-ce que nous avons cette disposition-là au fond de nos cœurs ? Est-ce que le jugement de Dieu qui est tombé sous Mulhouse n'est pas significatif que peut-être il y a autre chose, et pas peut-être, certainement autre chose ? Je ne citerai pas de nom, mais il y a des hommes de Dieu que j'ai connus dans leur jeune ministère, qui passent dans cette structure et dont tout le monde perçoit qu'ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Ça leur est monté à la tête. Et ils finissent par être de faux docteurs, subtilement. J'ai écouté un message d'un de ces hommes africains, très considéré presque comme un pape pour toute l'Afrique, d'ailleurs, un pape évangélique. Message de 2 heures, et après 1h20 à peu près, crac, fausse doctrine, hérésie. Et oui, et tout le monde écoute. Il a un tel crédit de popularité que personne ne va oser lui dire, mais ce que vous dites là n'est pas biblique. Vous voyez ? Alors ça, c'est un appel à lancer à tous les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Suivez le Seigneur. Et si quelque chose n'est plus biblique dans ce qui vous est, ne l'acceptez pas. Refusez-le. C'est fini le temps des pasteurs adorés, super vedettes. Ça a fini tout ça. Ça n'aurait jamais dû commencer, en fait. Jamais. Vous êtes aussi responsable devant Dieu de la parole que vous lisez que moi, la parole que je vous prêche. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que vous êtes des chrétiens de deuxième catégorie parce qu'il y a un pasteur qui prêche, ou un prophète, ou un apôtre, ou tout ce que vous voulez ? Mais non, mes amis, vous êtes exactement au même niveau qu'eux, et vous avez la même responsabilité. On continue. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Ces femmes étaient grecques, syrophéniciennes d'origine, et le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Etc, etc. On va aller plus loin tout de suite, parce que c'est pas là-dessus que je vais prêcher maintenant. 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule. Pourquoi est-ce que Jésus le prend à part loin de la foule ? Vous savez pourquoi ? Que Jésus a testé la foule qui était là. Tous ces gars-là, c'est des idolâtres.
si je le guéris en public, ils vont faire de moi une super vedette. C'est pour ça que Jésus ne prend à part. Et il faut simplement poser des questions toutes simples. Pourquoi est-ce que Jésus ne prend à part? Jésus doutait de son ministère, de son autorité? Non. Quand les deux apôtres, envoyés deux par deux par le Seigneur, vont sur un ordre de Jésus pour exercer leur ministère, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons et qu'ils reviennent, qu'est-ce que Jésus leur dit? Ils sont tout contents. Ah, oh, oh Seigneur, on l'a fait, hein. Ah, oh, ah, sous-entendu, ça y est, j'y suis, je suis quelqu'un. Allez, allez faire dodo, les gars. Dodo, repos. Pourquoi est-ce qu'on demande de se reposer? N'importe quel pasteur, s'il envoyait 12 disciples, deux par deux, faire ce qu'ils ont fait, à peine revenu, il dirait, allez, on s'y remet, demain, on part, les gars, parce que, ah, ça y est, on a des outils pour amener du tas d'âmes au Seigneur, mais à quoi servirait-il un homme de gagner le monde s'il y perd son âme? Donc Jésus, plein de sagesse, va dire, vous arrêtez, parce que ça va vous monter à la tête, les gars. Et puis il fait le même coup, quelque temps après, lorsqu'ils marchent sur l'eau et qu'ils sont dans la panique avec la tempête, on va l'écouter là maintenant, n'est-ce pas? Et les gens qui vont écouter ce message l'auront déjà entendu, il est sur le site, ou il va être sur le site. Il est sur le site. Non, pas encore. Il va être sur le site. Amen. Amen. Alors écoutez ce message aussi. Alors on termine pour ce matin. Voyez l'alternance entre la confrontation constante avec l'orgueil des hommes et les besoins des hommes souffrants, n'est-ce pas, auxquels il faut répondre. Le vrai combat, le vrai grand combat, il est entre la superficialité de cœur des humains et la souffrance des humains. Et c'est quand même incroyable de s'imaginer que même les gens qui souffrent eux-mêmes sont pleins d'orgueil, qui les empêchent, par lesquels ils vont peut-être empêcher même ceux qui souffrent d'être guéris, d'être atteints. Le combat de Jésus, c'est ça dans tout son ministère. Arriver à relâcher l'amour de Dieu vis-à-vis des hommes, et quelquefois il doit le faire en secret, parce qu'il a peur que l'on modifie ça pour faire de lui une idole, ce qu'il ne veut pas être, en aucune façon, jamais. Voyez son combat. Quelle difficulté. Dieu aimerait donner tant, Dieu aimerait sauver tant, Dieu aimerait guérir tellement. C'est les hommes qui bloquent, qui empêchent même Yeshua. Certainement, lorsqu'il dit à ses disciples, combien de temps supporterai-je encore une race incrédule comme celle à laquelle j'ai affaire. Alors, vous comprenez le message? Alors, libérons l'esprit de Christ. Et voilà, cette alternance, elle est terrible. Mes amis, je ne voudrais pas terminer sans vous demander à tous de prier pour Samuel Peter Schmidt. C'est un frère. C'est un frère en Christ. Je crois que l'héritage qu'il a reçu est très spécial. Parce que des gens de Peter Schmidt, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai rencontré un pour ma part. Peut-être j'ai rencontré un Arthur Katz, qui était un homme comme cela. Mais après ça, je ne sais plus. Pas grand monde. Pas grand monde. J'ai rencontré beaucoup d'ambitieux, chrétiens, qui dans leur région bloquent le ministère des autres parce que c'est eux qui doivent être les patrons. J'ai rencontré des pasteurs comme ça partout qui bloquent l'œuvre du Seigneur que le Seigneur voulait faire à travers d'autres qui ne connaissent pas parce que dans le principe c'est eux les patrons qui doivent diriger les choses. Mes amis, c'est tellement fort dans le cœur des hommes. Cette abomination est tellement présente dans nos cœurs. L'homme intelligent, la femme intelligente, c'est celui qui fuit tout cela, mes amis. Et je bénis Dieu aujourd'hui, lorsqu'il m'a demandé cette espèce de folie à vue humaine, alors que j'étais tout jeune dans le ministère. Surtout, ne t'embarque jamais dans une dénomination, ni une fédération. Alors bien sûr, quand je dis ça, je connais des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il est orgueilleux? Qu'est-ce qu'il est indépendant? Non, je ne suis pas indépendant. Dieu m'avait prévenu, et j'ai vérifié. Mais j'aimerais bien qu'on prie, qu'on puisse prier pour. Et on va prier maintenant, hors caméra, pour Samuel Peter Schmidt.
Et au-delà de tout ça, je ne sais pas si Samuel, tu vas entendre le message que je relâche aujourd'hui. Je pense que je fais partie aussi des gens que tu n'as plus considérés comme des vedettes. Je le sais à travers certaines... Mais je ne suis pas une vedette. Je voudrais t'encourager, Samuel, et demander de bénir le Seigneur, parce que même si c'est extrêmement dur de vivre ce que tu vis maintenant, c'est salutaire. Et peut-être pourrais-tu te rappeler, et je dis parce que ça m'a dit de te le dire, Samuel, alors je te dis avec, mais vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Je dis bien respect. Pourtant, tu es plus jeune que moi, mais je te respecte, parce que j'ai vu que tu étais capable de faire des choses qui demandent du courage. Et tu vas avoir le courage. Je te demande juste de te rappeler, Samuel, de la seule fois où je suis venu prêcher dans ton église, il y a bien des années, où pour y parvenir, nous avons mené un combat spirituel terrible en famille. Ma femme s'en souvient. Et lorsque je suis arrivé chez toi, presque en retard, j'ai prêché un message qui disait en deux mots, il faut transformer l'église et il faut faire des petites cellules de 15-20 personnes un peu partout. Imaginez qu'une église, à l'époque, de 1000 membres, à peu près, c'était 1000, hein. Maintenant c'est 2000, 2500, je ne sais pas. Enfin, pour le moment, les chaises sont vides, il n'y a plus personne. Imaginez que vous transformez 1000 personnes en groupe de 20 personnes. Ça fait bien. Qu'est-ce qui est fort en calcul mental ? 50. C'est les 50 mini petites assemblées potentielles dans toute une région. Ah, ça ne brille pas ! Mais si ce sont 50 petites assemblées qui pratiquent l'amour des âmes, qui vont vers les gens, qui prient pour la guérison, et qui manifestent l'amour que Papa Jean connaissait et vivait, vous imaginez la force de cette chose. Alors, rappelle-toi de cela, Samuel, et peut-être qu'il aurait fallu, parce que tu t'es levé à la fin de la réunion, je m'en souviens, et tu as dit devant tout le monde, avec beaucoup d'honnêteté d'ailleurs, c'est extraordinaire, le frère vient de nous décrire dans son message prophétique, sa message prophétique qui a duré 40 minutes, je m'en souviens, il doit toujours exister, il suffit de le retrouver. Tout ce que nous venons de discuter il y a quelques heures avec les anciens de l'Église. Eh bien, Samuel, peut-être que le temps est venu, parce que je ne sais pas si tu pourras encore faire sans courir, faire courir de risques, avant de nombreux mois, peut-être une année, le temps qu'on trouve un vaccin, si on le trouve. Je veux bien être obligé de trouver une solution au fait que... Et tu me diras sans doute, et je crois qu'il y a déjà des groupes, mais... L'essentiel est d'aller au fond des choses et de faire que tous ces groupes ne se réunissent pas en semaine pour prier, faire ceci, cela, mais ils viennent tous ensemble, bien sûr, pour le culte qui est devenu ce qu'il est devenu. D'accord ? Alors voilà, j'en reste là et je te bénis vraiment et je t'aime, Samuel. Je t'aime vraiment de tout mon cœur parce que pour moi, tu es un type bien. Même si tu as laissé les choses aller par le travers, et je souhaite vraiment, 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 vraiment que Dieu bénisse ta réflexion et les choix que tu vas faire dans le bon nom de Yeshua.